Le Velux est ouvert. Du coup, c'est la grande... c'est le grand n'importe quoi du son. Vous allez certainement avoir pas mal d'avions, tout ça, dans la soirée. Je m'en excuse, déjà, tout de suite. Je vais juste faire un truc. Salut à toi, Asmodeus. Salut à toi, les Lord Glass. Et salut à Robin, Asmode de A, Skeletor, Asmodeus, je t'ai déjà dit bonjour, Idriuk, Neo Shark, les Lord Glass, je t'ai déjà dit salut, et Tanguy. Putain, j'ai monté les escaliers 4 à 4, je suis essoufflé les amis, en plus je viens de crier comme un fou. Alors je commence l'enregistrement pour pouvoir avoir ça, bien sûr, tout, pour avoir la rediff, hein, et ben dédicace à toi, Asmode A, Asmode, hein. Et je voulais faire une chose, donc c'est juste, j'ai lancé l'enregistrement, comme ça vous allez voir tout ça sur YouTube, pour ceux qui n'auront pas regardé, bah merci, je m'en touche les tétons. Moi aussi je vous adore les amis. Bon bref, c'est ça que je voulais voir. J'ai envoyé, alors excusez-moi, je m'organise un petit peu. En plus il y a des gens qui me parlent sur Skype en même temps. Excusez-moi, je suis vraiment content ce soir, je suis heureux. Pas pourquoi, j'en ai la quéquette toute dure. Du coup il m'a tout déréglé cet enfoiré hein. Et en plus j'ai même perdu le live. Bon, excusez-moi si c'est un petit peu long, hein. Faut que je m'organise. Je sais pas sur quoi on va se lancer ce soir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je viens tout juste de télécharger Orc Must Die. Orc Must Die, pardon. 2. Juste de l'acheter à 8€ et quelques sur G2A. Voilà, je l'ai téléchargé juste avant de vous faire le live parce que je suis un mec comme ça. Voilà, on est déjà 12 spectateurs, les amis. Bon, bref, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se faire un petit tour sur notre ami Robocraft? Est-ce qu'on va se faire un petit tour sur Orc Must Die, histoire de découvrir un petit peu le jeu? J'ai absolument pas joué, hein, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble et comment ça se joue. Donc ça peut être plutôt rigolo. Je ne sais pas, voilà. Donc, à vous de choisir. Comme je vous ai dit, ça va être un live assez long ce soir. Donc on va faire pas mal de jeux, on va s'amuser, machin et tout, avec vous, sans vous, avec moi, avec voilà, hein, ça va être la guerre. Donc je ne sais pas les amis, vous êtes chauds ce soir, en tout cas j'espère, on se croirait sur une radio, j'ai cru que c'était DJ Desan, quoi, DJ Dédé là ce soir. Alors, bon bref, on s'en fout, arrêtez un peu les conneries là. Et puis écoutez, j'ai demandé à mon pote s'il était là, mais apparemment il a perdu... sa connexion à cause de l'orage. J'espère que ça m'arrivera pas ce soir, parce que ça sera pas trop cool. Bah ouais, bah bien sûr, comme l'autre fois, ouais. Mais je me lancerai bien, je vous avoue, sur du Orc Must Die, sachant que je viens juste de le télécharger. On est bien en vie. Je me demandais ce qu'était ce bruit, c'est un avion. Allez, je vais aller juste vite fait sur ce jeu, on va se faire... une petite demi-heure, une petite heure, histoire que les gens arrivent, et puis après on ira sur Robocraft, et après on ira changer, etc. etc. Donc je vous mets juste la vision du jeu, parce que ça sera un peu mieux quand même. J'ai même pas préparé, je suis un mec comme ça, moi. Donc assez normal, ne vous inquiétez pas, les amis. Que vous me voyez juste en petit comme ça. Alors, est-ce que le jeu s'affiche? Yes! C'est good, les amis. J'ai juste pas le son du jeu. Excusez-moi. You! Ah, je sais pas si je ferai du TF2. TF2, un petit peu passé pour ma part, je pense. Bon, bref, on verra bien. Donc j'espère juste que vous allez avoir tout ce qu'il faut au niveau du son, du machin, du bordel. Vous me dites les amis de toute façon si ça vous va pas, si vous entendez trop la musique, que je l'arrête, que je laisse le son du jeu. On peut peut-être même faire ça, et je pense qu'on va faire ça, ça sera 100 fois mieux. Voilà, on va monter un peu le son du jeu, qui est un petit peu épique. Ça va être plutôt sympa. Allez, on pourrait même faire un truc, regardez. On va aller dans les options, son. On va enlever la musique.
Excusez-moi. Juste vite fait. Juste vite fait. C'est du live, hein, c'est du live, donc c'est normal. C'est normal que, voilà, on live, quoi, les amis. Donc c'est du live. Donc des fois, il y a des petits décalages comme ça. Je fais un truc, hop, hop, à la rapide. Je vais aller chercher une petite musique qui dure super longtemps en plus. Dans mes favoris. Favorites. Yeah, bitch. C'était celle-là qui était plutôt pas mal. Ah, la publicité! La publicité! Grünbergen, on s'en fout de la bière! À chaque La destruction. gueule! La pub qui fait chier! La pub qui fait chier. Parfait. Celle-là, c'est une musique, c'est parfait, les amis. J'espère juste. Faut que vous l'entendiez juste suffisamment. Ça vous chatouille un petit peu les oreilles et vous m'entendiez en même temps. On a 2 heures de belle musique comme ça. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'on veut. Et maintenant, on va pouvoir se lancer. C'est parti. Non, c'est pas du teuton, mais c'est un peu le même style. En gros, c'est de l'épicness. Alors, je connais pas du tout le jeu. Hein. Donc, comment ça marche? Jouer. C'est parti. Histoire. Histoire sans fin. On va faire l'histoire, les amis. Moi, c'est faire l'histoire, c'est mieux. Au bord du gouffre, grimoire, on s'en fout. J'ai aucun crâne. On joue, on y va. C'est parti. Ma gueule. Ne laissez pas vos ennemis s'échapper des mines par là. Point de faille. Les ennemis qui réussissent à franchir la faille le font baisser. S'il tombe à zéro, vous perdez. D'accord. Donc ça, faut faire attention là, en haut à gauche, là, en haut à droite, pardon, parce que ça va être la galère. Compteur de vagues. D'accord, ça marche. Donc 1 à 4, je vais peut-être baisser un petit peu le son de la musique. Exactement, on fera peut-être même du rhum ce soir. Dépensez vos pièces en plaçant des pièges pour en gagner, tuer des ennemis. Changez de piège et d'armes à l'aide du pavé numérique. Ok, il y C'est a donc quelques. ça mon destin. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs. Je Je me tais. méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir. Mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orque. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchie que je l'ai vue. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benêt collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. Enculé! Ok. Choisissez vos défenses avec la touche B. Donc j'ai des sous en bas à gauche, on est d'accord? Ok. D'accord. Mare de goudron. Mur de flèches. Déjà, je vais prendre une arme, ça sera mieux. On va prendre ça. On va prendre des trucs pas trop chers pour le début, hein. Voilà. C'est parfait comme ça. Bleh! Attendez, parce que là j'ai presque pas de son du jeu. Donc c'est un peu dommage. Et je vais baisser un petit peu le son de la musique. Je vais le laisser, hein, vous inquiétez pas. Bonsoir tout le monde! Salut à toi, mon ami Kanjiro! Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, c'est tout ce que je souhaite. Y'a que ça de bon. Allez, Orc must die. Tchou. J'ai toujours pas le son du jeu. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Bon, c'est parti. Lâchez la horde. Non, 2 minutes. Pour l'instant, je vais poser des. Donc normalement, ils viennent à partir de ça, on est d'accord. Hein. Donc on va poser des petites choses comme ça. Hop. Essuyez-vous les pieds, quoi! Ah bah ouais, quand même, c'est dégueulasse.
Allez, c'est parti. Allons-y. Ha ha ha. Ah merde, je l'ai one-shot. Venez, bande de salopes. Qui a perdu un foie? Qui a perdu un foie? Mais c'est horrible! Allez! Et j'ai toujours... Ah! Tu sors d'où, toi, fils de pute? Pourtant, il n'y en a qu'un. Putain, comment il a fait le tour, cet enfoiré? Ah, dégage toi. Donc, excusez-moi les amis, je lis pas trop ce que vous dites. Hein. Là j'ai pas trop le temps. C'est l'heure de la surprise. Mon casque c'est un Logitech. Logitech je ne sais plus le nom. Par contre du coup on n'entend plus beaucoup la musique. Allez, ça cartonne. Bonjour. Alors c'est pas mal parce que ce jeu en plus on peut jouer en coop parce que j'ai vu. Ah les mares de goudron en fait ça ne fait que ralentir. D'accord. Faut le savoir. Hein. Putain c'est surpuissant cette connerie. Eh bon. Ah merde c'est con. Allez-y, venez. Ah ouais, je sais, c'est pas évident d'être trop Nous fort. Nous rien voir venir. Laissez-les venir. Je peux pas en mettre plus, hein. Je crois que je vais vomir. Wouhou. C'est la guerre. Ouais, il est vraiment sympa comme jeu. Donc j'avais vu quelques vidéos dessus et ça m'a toujours donné envie de le tester. Parce que pour moi le jeu avait l'air vraiment génial. Alors excusez-moi si je me retourne des fois, c'est pour regarder s'il pleut pas. Parce que sinon faut que je ferme vite mon Velux. Allez-y. Combo. Oui. Ok. Alors là, on y va, les amis. Hein. On peut rien mettre ici. Bon, on va préparer le couloir qui est là, au cas où. 3, 2, 1, feu. Lâchez-la. À mon avis, ils vont être nombreux, là. Sinon, c'est pas marrant. Donc c'est un Logitech. Je regarde rapide. G430. Possibilité de le brancher en 5.1, qu'on voit quand même du lourd sévère. Alors moi je ne le fais pas, pourquoi? Parce que tout simplement pour les montages ça fout la merde. Parce que sinon Tony Vegas me fait 5 canaux. Donc 5 canaux, est-ce que... Oh 5 canaux, 5 canaux de son. Au niveau du montage, donc c'est grave relou. Si tu vois ce que je veux dire, ma gueule. Dégage-toi. Oh, il s'est fait guaquer par le merde, je ne trouve plus le nom. Par le chariot. Allez, c'est fini pour toi ma gueule, tu vas crever. Merci. Oh, merde. Oh putain, ça devient chaud les amis, hein. Headshot! Et boom! Yeah! Motherfucker! Yeah! Yeah! Oh yeah! Oh putain, il commence déjà à faire noir! Attendez, j'allume juste ma lampe. Heureusement que le câble est long, c'est moi que je te le dis, ma gueule! Hop là, vous allez avoir l'aisance de me voir
sous la lumière. D'accord, on peut revendre. Donc, une fois qu'on a fait victoire, nous gagnons des crânes. Donc 5 crânes plus 3, ça fait 8. Et oui, merci beaucoup pour cette belle addition. Voilà. Et j'ai gagné un nouveau piège, yeah. Donc du coup, je vais pouvoir aller dans mon grimoire. Et ça, j'ai compris que c'est à ce niveau-là qu'on augmente un peu son équipement, ses pièges et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai du nouveau contenu téléchargeable, c'est normal. Parce que tout simplement... excusez-moi, c'est les fils qui me gênent. Tout simplement, j'ai acheté le pack. J'ai acheté le pack de ouf, hein, pour avoir tout ce qu'il faut avec. On va voir si on peut un peu améliorer notre équipement. Nos pièges. Le mur de flèches, c'est quand même bien pratique, je trouve. Donc les flèches peuvent incendier des ennemis. Les flèches peuvent engourdir les ennemis, ce qui les ralentit. Ça peut être pas mal si on met... Ouais, mais non. Autant avoir, voilà, ça. Tac. Ça, je pense que c'est le mieux. Et j'en ai encore 5. On va faire ça. Voilà. Comme ça, c'est moins... Je vais partir là-dessus sur un piège mural bien puissant dès le début. Combien de viewers à ma gueule? 16 pour moi. Et ben c'est cool. Faut qu'on batte 22 ce soir, les amis. On batte 22. Ok, donc... on va partir là-dessus. On a augmenté un petit peu notre... On a claqué tous les crânes, c'est pas grave. On va continuer. C'est parti, les amis. Alors, tunnel. Donc là, apparemment, il y a deux entrées. Donc ça va être un petit peu plus chaud. Continuez, appuyez sur espace. Bizarre, je pensais les avoir toutes fermées. On est où, là? C'est quoi, ces tunnels? On est dans les mines des nains. C'est ici que je bosse. Tu t'es reconverti dans les... Aiguillage de chariot. Ah, il y a moyen de les... Vous échangez, d'accord. Ça marche. Ok, bon, on va les ralentir dès le début, hein. Et d'ailleurs, attendez, parce que je peux... Ah, merde. Mais ma gueule, est-ce que je peux pas aller chercher vite fait les... Merde, je peux pas. Donc j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Hop là. Hop là. Parce que ça, c'est quand même ce qui est assez puissant. Et c'est parti, mon kiki, on va lâcher l'ordre. Salut, Gallifrey. Alors, il n'y a pas pourquoi, tout simplement parce que ton antivirus doit le bloquer. Et moi, j'ai réussi à désactiver ça. Faut d'ailleurs que je change mon antivirus parce qu'il me casse les couilles à ce niveau-là. C'est assez relou. Allez, c'est qui le patron? Du coup, j'ai pas augmenté le son de la vidéo. De la musique, pardon. Ah, ta gueule! Merde, c'est de l'autre côté! Pourquoi tu vas si vite? C'est parti! On va s'amuser! Oh, t'as appris à voler, toi! Appris à voler! Dégage, toi! Mon boulot, tueur d'orques. Ah oui, c'était B pour choisir. Oui, c'est vrai. Merci, merci. Oui, je crois que c'est ça. Wow, ils vont se détendre. J'adore le boulot. Attention, peut entraîner la mort. Ah, ça va les ralentir au moins. Que là, faut beaucoup regarder la map, hein, en fait. Hein. Ok, bon, je vais les laisser passer, moi, et je vais les shooter d'ici. Je
C'est les gros qui vont passer, je pense. Ils sont en bas. Ok, c'est bon. Ils sont dans les escaliers. À ta mère ! Je l'avais pas vu, lui ! Ok, donc on va commencer à protéger ici, les amis, parce que... Ça va chatouiller la plante des pieds. Tu pourras invoquer des nains plus tard, ils sont cheatés, ils envoient des grenades et après, au corps à corps, ils défendent tout. Ok, ça marche. J'aime les nains. Je vais en profiter d'ailleurs, hop là, on va augmenter un petit peu le son de la musique épique, pour donner un peu d'épicness à tout ça. Ça serait mieux, je pense. Salut à toi, 648-490, alors si tu ne sais pas comment avoir un pseudo à toi, tout simplement, il faut que tu te déconnectes, et que tu te connectes sans mettre aucun mot de passe. Tu mets juste un nom d'utilisateur, tu fais connexion et tu auras le pseudo que tu souhaites. Voilà mon cher ami, si tu veux tout savoir... Le petit sournois, tout à fait. Allez, c'est parti, dégage ta mère, toi. Toi aussi. Et je vais juste un petit peu réduire le son du jeu qui est en train de m'exploser les oreilles. Voilà, c'est mieux. Wow, c'est quoi ce machin ? Il paraît que ça fera pas mal. Donne-moi du fric, salope ! What ? Tu te détends, moi ! Tu te détends ! Putain, mon ami! Tu me connais pas, moi! Je suis un fou, moi, je suis un malade, moi, je suis un taré, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dégage! Wouhou! Tu vas certainement te détendre! Moi, je suis un mec, j'ai pas le temps, moi! Je suis un mec comme ça, moi, dégage, toi! Qu'est-ce que t'as? Espèce de dégueulasse, va! J'aurais pu aller te laver! Dégage aussi, toi! Dégage aussi! Et dégage! Ça se passe comme ça avec moi. Ben ouais, y'a pas de problème, tu vois. Ma gueule! Je vais te faire une guerre comme t'en as jamais connu! Tu vas voir, tu vas souffrir, dernière vague! Et c'est qui le patron? Oula, je vais tomber. Wouhou! Combo x3, bitches! Motherfucker! Franchement, super simple à jouer en tout cas. Ça pleut toujours pas, excusez-moi les amis. Voilà, tu vas certainement te détendre toi. Ça c'est fait. Poc. Escalope. De dinde. D'orc. Et de poulet. Dégage. Ouais, trop bien, trop cool, je viens de me faire défoncer. Wouhou! I believe I can fly! Tu connais? Tu connais Arkeli ou pas? Eh ben tu vas apprendre à connaître ma gueule! Va crever! Espèce de tortue! De tortue, de grenouille. Putain, y'a un qui sortit! Il fait quoi lui? Eh toi là, mon ami, olé! Tu vas certainement te détendre! Faire une rillette d'orc, yeah! I'm so sexy, bitch! Salut à toi Rémi Urbain, comment vas-tu? Mon ami, regarde le nombre de spectateurs que nous sommes ce soir sur cette musique épique. Salut à toi, démon... Culé! Le jeu qui l'a planté, le jeu qui l'a planté, le jeu qui l'a planté, le jeu qui l'a planté... Le jeu qui défonce tes oreilles. Ouais, 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 ouais. Je suis à donf, ma gueule. J'espère que vous aussi. Parce que ce soir, ça va être de l'épique. Ce soir, ça va être du qui pique. C'est parti, ma gueule.
gueule. Non, non, je voulais pas faire jouer. Je voulais pas faire jouer. Mange un M&M's. Non, je vais quitter. Je vais quitter ma gueule. Menu campagne. On va se détendre, j'ai pas été dans mon grimoire. Là, je suis pas content. Alors. Est-ce qu'on augmente les pièges? Ou est-ce qu'on en, ou on augmente... Je suis à l'once, Kanjiro. Où est-ce qu'on augmente les pièges? Et où est-ce qu'on augmente les armes? Je partirai plus pour les pièges. Piège à pieu, j'aime bien. N'importe ça. Plus rapidement, c'est parfait. Attendez, parce que j'ai... Écoutez-moi ça. Allons-y les amis, c'est parti. En plus, vous êtes super actifs et tout ce soir. Il y a que du bonheur. Que du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, on va l'enlever. On va se mettre des trucs un peu plus sympas. Prendre ça. Ça pour ralentir. Alors, ils viennent par où? Putain, ils viennent des deux côtés. Et moi, mon portail, il est là. Les amis, je sens que ça va être un petit peu chaud patate. C'est Urk Must Die 2. Merci les Lorglas, parce que tu l'auras lu bien avant que je le dise. Alors, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on protège un petit peu tout ce merdier. Le problème, c'est qu'on a lui qui va nous déranger. Et là, je n'entends strictement plus rien avec cette putain de musique trop forte. Merci. Oui, je l'ai acheté. 8€. 8,39€ exactement. Sur machin là. J'arrive plus à trouver le mot. Bon, on va commencer. Bien. Voilà, comme ça au moins dès qu'il passe, ça va les niquer. Oh, c'est parfait. Et Non, je l'ai payé 8,39€ sur G2A. Truc complet, j'ai même pas tout téléchargé. C'est fini pour vous, bande de salopes. J'ai même pas eu le temps de tirer, vous êtes déjà mort. Alors c'est qui le patron? Ceux qui tombent, ils meurent, hein. Oh, la musique est parfaite, les amis. Dégage, toi, reste à ta place. C'est qui le patron? C'est moi. Sache-le. Ma gueule, ça s'ouvre. Vous ne passerez pas. Tu connais? T'as pas l'air. Wouah, qui vont se détendre les deux là. D'ailleurs, faut que je mette un truc pour les ralentir eux, parce que je pense dégager. Bande de malades. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein?
Faut faire gaffe aux petits qui courent là. Une sorte de chien rapide là. Alors attendez, on va faire un truc, on va vendre ça, on va mettre ça. Énorme ces musiques quand même les amis. Oh ! Et ce fut le patch ! Alors c'est bon ou pas ? Vous ne passerez pas ! Non mais oh. C'est qui le patron? Ah c'est marrant hein. Juste là, ça fait du bien. Ça fait du bien, pas où ça fait mal. Allez, si vous êtes prêts à morfler, c'est maintenant. C'est mon show. C'est épique les amis, c'est de l'épique, comme on l'aime. C'est de l'épique qui pique, c'est de l'épique qui fait mal. Surtout aux orques, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça, un putain de crâne? Toi, tu restes à ta place. Avec tes potes, je vais en faire un jambonneau. Y'en a pas un qui passe, je voulais pas dire, mais y'en a pas un qui passe! Hein? C'est qui le patron alors? J'aimerais savoir. Qui est le patron? Ha 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 ha! De salope! Faire une guerre quand on a jamais connu! C'est ça que c'est bon, je vous ai offert du spectacle, les amis! Vague suivante, dans quelques temps, sauf que là, ça va être la guerre. Ça va être la guerre, la vraie, comme vous la connaissez. Eh oui, la guerre, la vraie, celle qui fait mal, celle où tu souffres. Ça, tu restes à ta place. Pointu, mais vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment cool, c'est vraiment trop bien. Je kiffe ce jeu. C'est vraiment rigolo, hein. Ah, je m'éclate, hein, je me fends la poire. Tu connais la bouboule? Tu vas apprendre à la connaître. Allez, prêt à recharger. Je les attends. Bam, bam, bam. Ça que c'est bon. Il n'y a pas un qui est passé. Alors, c'est qui le patron? Non, je vais pas faire que ça, Sanja. Ne t'inquiète pas, je fais ça le temps que tout le monde arrive et tout. Et après, on va faire du Robocraft. On va faire plein de choses. Je suis là avec vous. Tard dans la nuit, je suis là avec vous pour longtemps. On va passer vraiment une soirée magnifique, je vous le dis les amis. On va passer vraiment une soirée qui donne que voilà, du plaisir. Et puis c'est tout. Exactement, Kanjiro, tu es né poussière et tu redeviendras poussière. Salope. Bon, alors, sur ce, on va aller encore dans le grimoire, et on va laisser faire un petit peu plaisir dans ce grimoire, nous allons écrire un petit peu notre histoire, si tu vois ce que je veux dire, ma gueule. Alors, voyons voir. Déjà, mes pièges sont plutôt pas mal, surtout celui-là, on va grave le... Hein, désormais placer les murs
de flèches au plafond, mais ça serait une pourriture comme motherfucker. Non, ça c'est unique, pardon. Excuse-moi. Ce qu'il nous faudrait, c'est des meilleurs... j'ai utilisé pas mal de pics. Il nous faudrait les meilleurs pics, je pense. On va aller voir ça. Surcharge plus vite, vas-y à fond, ça je le veux le... Ah pardon. Son brièvement ralenti, saigne et subissent de... Non, je voulais ralentir un maximum comme ça mes flèches. Bam! Et là, ça fait plaisir. Toujours épique. Toujours ça. Il faut donner! Donner. Ok, ça marche Asmodeus? À toutes. À chaque fois je vous fais ça comme ça, mais vous êtes là. Vous êtes ici. Vous êtes juste en face de moi. Et moi comme un con, je regarde là parce que le chat est juste à ma droite. Bref, et ben à tout à l'heure Asmodeus. Allez, il me reste deux crânes, mais on avance, on n'a pas le temps, on est des mecs comme ça, je suis un mec qui n'a pas le temps. Une victoire reste une victoire, allez. Ah putain, je peux en avoir une autre défense. D'accord. Faudra qu'on aille voir un petit peu les armes ensuite. Alors les amis, piège au sol, téléporter les ennemis de retour au début. Non! Qu'est-ce qu'on va se prendre? Notre mur de flèche est plutôt puissant. Desan, j'ai vu ouais, qu'on était à 22 les amis. 22 spectateurs. Yeah. Allez! Ce soir... On monte à 30. Je le dis. Et je veux que ça y arrive. On va y arriver. Je vais vous donner de l'épique. Comme j'en ai jamais donné. Je vais vous donner toute mon énergie. Même qu'après, je vais pas réussir à dormir tellement je vais être claqué. C'est paradoxal. Mais c'est ça qui est pas mal. Y a pas de soucis. Les lore glaces, c'est pas grave pour le mage. Bon, bref. Allez. On va y arriver. Donc, j'ai les murs de flèches qui sont pas mal. J'ai ça qui va les ralentir. Ainsi que ça, puisque j'ai rajouté le fait que ça les ralentisse. Ça qui est assez puissant. Donc, c'est pas mal. Par contre, bon, on va tester le trampoline, moi j'ai envie de dire. Soyons fous. Exactement, le troll ultime, 29 spectateurs. Bitch, nigga! On va les ralentir. Ils vont sortir là, donc moi je dis dès le début. Non, c'est trop large. Il faut les prendre vraiment en goulot d'étranglement, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ici qu'il faut venir les chercher. On va les déranger là, maintenant. C'est à ce niveau-là qu'il faut venir les déranger tout de suite, qu'il n'ait pas le temps de faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment ça. Par contre, je vois qu'il y a un Chris. C'est quoi ça? Oh, pas mal! Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est un truc qui peut péter. Piège à éboulement. D'accord, on peut certainement l'activer. Donc de toute façon, là, ils vont arriver là. Oh là, ça va être juste génial. On va utiliser ces petits trampolines pour ceux qui viennent ici. C'est juste parfait. Là. Des orques de voler devient réalité yeah. Depuis 1139. C'est parti. On y va. Exactement comme dans les portes chaudes. Oh, tu vas certainement te détendre toi. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, j'ai t'arrêté net moi. Comme ça vous êtes obligé de venir là. Tu vas pour n'appéter. Alors le problème voilà, c'est ça que moi il faut que je vienne les protéger ici parce que... Pourquoi il est ouvert lui? Oh parfait, il est parfaitement placé ce... Il faudra faire gaffe parce que après... Voilà, l'autre faille va s'ouvrir. Donc... Je vais être trop loin les amis. Allez, cours ma gueule. Le sprint final. R pour pivoter. Apprends à viser. Yo, woohoo! I believe I can fly, bitches. Yeah, motherfucker. Allez hop, toi tu te dégages. Toi tu meurs.
Toi, je t'en fais un rose beef. Toi, je t'éclate la face. Toi aussi. Ah, j'ai même pas eu le temps. Mes propres pics m'ont trollé. Putain, ils sont beaucoup là. Wouhou. I believe I can fly. Putain, il a atterri de l'autre côté, cet enculé. Merde. Merde, les amis, il a atterri de l'autre côté. Ah, mais c'est vrai, il s'est fait écraser. Bon, alors, attendez, on va les ralentir ici. Comme ça. Comme ça, ça va les empêcher de... Mais oui. Ils arrivent de là-bas. Bam. Chariot de mine of the death. Exactement. Regardez, ils volent vers moi. Par contre, il y en a un qui se ramène un peu trop là. Il va falloir que je cale la défense. Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, je sais pas viser. Ah, mais je sais pas viser, les amis. Ah, putain. Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe. Il y en a un qui se ramène. En fait, j'ai deux portes, c'est ça le problème. Wouhou! Il est pas passé, cet enculé, hein. Je dis que tu ne passeras pas. Pourquoi tu vas là-bas, toi? Ok, les amis, donc là, faut absolument que je renforce les... Il me reste combien? Il me reste ça. Donc, tac. Là, je pense qu'ils vont prendre assez cher, ici. Par contre, j'ai... Ceux qui passent, tac, ok, c'est bon. Là-bas, ils ont un petit peu de défense, mais pas trop, et c'est ça qui me dérange. Donc, on va y aller de suite. Ah, mais le I Believe I Can Fly, il était magique, les amis. Alors là, le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup, tiens. Je peux pas faire grand-chose. On va commencer à monter une défense ici. Parce que je pense que sinon, on va vite être dans le caca. Allez, c'est parti. Ok, ils arrivent par là. Olé! Tu vas certainement t'arrêter ici, toi. Tu vas apprendre à voler, regarde. Ah, ça t'a arrêté net. Ce fut le badge du siècle. Donc, va falloir que je trouve le moyen d'avoir des nains. Si là, je fais pas mal de... On va pas augmenter les pièges pour la prochaine partie. On va augmenter plutôt l'arme, comme vous m'avez dit. Yatcha, the motherfucker! Il n'y en a aucun qui passera, je vous le dis. On va faire un perfect sur cette partie. C'est sûr et certain! Tu crois quoi? Oh putain, je vais crever là. Ah! C'est qui le patron? C'est Bibi, ma gueule. Là, on va les emmerder dès le début, on peut pas. C'est chaud patate, les amis, quand même. C'est chaud patate, ma gueule. Popopo. Escalope. Dork. Allez hop, ça c'est fait. C'est parfait parce que ça l'envoie même sur les pièges que j'ai de l'autre côté. J'aurais pas pu demander mieux. Tu restes à ta place, toi, là-bas. Oh. Et ce fut le boulet de canon. Yatcha, motherfucker. Allez, dégage. Dégage. De... Wouhou. Alors, c'est sympa de l'autre côté. Tu me diras des nouvelles. Pâté d'or que tu connais, une rillette à toute épreuve, la rillette bord de Chenel, revisitée par Desan, c'est la rillette d'or que on va appeler ça, la rillette Bordeaux or que j'en sais rien. Salut sa franceur, ami du soir, bonsoir, ami du jour, bonjour, ami du live, bon live, voilà, je sais pas quoi dire, j'ai pas d'idée, c'est la vie. Oh putain, bah pourquoi ils ont volé comme ça eux? Allez, tu t'es fait écraser direct! Qu'est-ce qu'il y a? T'as même pas le temps. Oh, par contre, ils passent un petit peu beaucoup, eux.
Ah non, j'ai rien dit. Et ça c'est génial parce qu'ils viennent s'empaler sur mes pièges d'en face. C'est juste parfait. Mais par contre ils se ramènent un petit peu beaucoup en face. Ah. L'enculé. Aucun qui passe, les amis, on a toujours le compteur à 20. Le compteur tiendra. C'est tout ce que j'ai à dire. Le perfect, on le tient. Il reste plus qu'une seule horde. Allez, c'est la dernière, les amis. Donc là, il faut vraiment que je donne le paquet. Le paquet du soir, le paquet du jour. Exactement. Je vous le dis les amis, les 30 vont arriver. Les 30 seront là ce soir. Rien que pour vous faire plaisir. Allez, eux vous allez. Ceux qui vont arriver là, ils vont apprendre à voler. Voilà. Et puis là, bah, ma gueule, c'est comme ça. Je sais pas quoi faire. Au cas où. C'est parti. C'est parti. Ok, allez, let's go. Eux, ils vont commencer à passer. On va les arrêter de suite. Le mana, on l'utilise. Voilà, ils ont tous été repoussés. Faut surtout regarder la map à fond, en fait. C'est ce que je me rends compte. Oh putain, ce qui vient de sortir en haut. C'est parti, mon Kiki. T'as tout à fait raison. Je viens de cracher sur mon putain de micro. Un bout de M&M se sera coincé dans mon anti-pop. Mais on s'en fout. Parce que c'est la vie. Parce que c'est le swag. You can do this. You can... Watch this motherfucker, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire les amis. Il y en a partout, je suis en train de cliquer comme un malade. C'est du grand n'importe quoi. Et après cette manche, il va falloir que j'allume ma lumière. Parce que je me rends compte que même derrière moi, il commence à faire un petit peu sombre. Voilà, voilà, hein. Putain. Tu passes, non. Putain, on n'a pas fait le perfect, espèce d'enculé de fils de pute, de fils de pute de merde. Merde. Je voulais le faire. C'est la pub qui lance tout, c'est la pub qui donne tout, c'est la pub. On est arrivé à la fin des 41 minutes de notre belle petite... Ouh. Et moi, je sors le coca. Alors, excusez-moi les amis. Hein. C'est juste la musique. C'était bien sympa, donc je vais retourner sur la chaîne du gars. Mais non, mais pourquoi tu m'as sorti ça, toi? Merci. Voilà, parfait. J'ai trouvé de la musique épique, de la musique qui envoie. J'ai les nains! Je vais juste faire un truc les amis, je reviens, je vais juste chercher une petite bouteille de coca qui va bien passer ma gueule. A tout de suite, j'arrive. Je vous mets même pas en pause, je lance. Si je mets... Ah, allez, je suis un mec comme ça. Je vous balance. Merde. Ah, j'ai fait une connerie. Voilà, donc là les amis, on a une heure. De belle musique épique. Moi, tout ce que je veux, c'est me connecter à la vidéo. Excusez-moi. Hein. C'est parce que j'ai quitté mon truc Dailymotion. On va savourer cette petite musique, c'est pas grave. C'est pas grave. Cette musique est juste magique. Voilà. Parce que je suis un enfoiré de première, je vous lance une petite publicité. A tout de suite. A tout de suite, ta gueule. Tout de suite.
Voilà, on se verra mieux ce soir avec une belle. Voilà, je suis là les amis. Donc excusez-moi, on est reparti sur cette musique épique magnifiquement. Magnifique! Orc must die too! C'est ce soir, c'est parti. Et là, on peut avoir des gardes, on peut avoir des nains, on peut avoir des gardes nains. Y'a que ça de bon. Donc là, je vais avoir besoin de vous les amis. Je remets juste le chat. Oh non, le jeu a encore crashé dès que je sors comme ça. Ouais, la musique de Lord of the Rings. Taras, à chaque fois il me pète les oreilles, cet enfoiré. Dédié à toi, Desan. Merci, démoniaque. Salut, coucou 678. Si tu veux changer de nom, soit tu te déconnectes et tu te reconnectes avec un pseudo que tu choisis sans mettre de mot de passe sur la page. Ou alors tout simplement tu fais slash nick, nick avec un autre pseudo derrière, je crois. C'est Rémi qui m'a dit ça tout à l'heure, je ne le savais même pas. Bref, on repart là-dedans. Et donc on peut avoir les nains, comme vous m'avez dit. Le sort de reste n'oublie pas pour tes nains. Alors comment ça marche? Il faut que j'aille voir ça. Parce que, voilà, il est là. Donc projette des bombes sur les ennemis. Donc on va le prendre lui, c'est sûr. C'est un piège, c'est un quoi? Ouais, c'est un piège. Donc ça, tout de suite. Non, non, c'est peut-être une connerie. On peut les rembourser? D'accord, non, non. On va faire ça, c'est très bien. J'ai augmenté un maximum. Du coup, j'ai pas augmenté mes armes. Nick pseudo, voilà, c'était bien ça en fait, je me suis pas trompé. Valodel est maintenant face plan. Mais Valodel, j'avais même pas vu que tu étais là. Salut Valodel, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Il y a un jeu que j'aimerais absolument faire les amis, je vous le dis tout de suite, c'est Rise of Rome. Le problème c'est que je n'ai pas la Xbox One. Sinon je vous l'aurais fait en vidéo. Et là je vous aurais envoyé vraiment du lourd. Mieux que Bob Lennon. Eh oui. Bref. C'est parti, on y va. On continue notre aventure. On joue et cette fois-ci, on va dans les vallées profondes. On va voir ce que ça donne, les vallées profondes. On va voir si elle en a dans le sac, la vallée. Parce que moi, je suis un fou aussi dans ma tête. Et ça, ils le savent pas. Enfin, si, je pense qu'ils commencent à le savoir. Ça, c'est pas mal parce que du coup, je pense qu'ils peuvent pas passer, c'est ça, hein. Ok. Les deux trucs sont en face. Ok, on peut déverser avec le chariot, ça marche, mais les barricades se cassent. D'accord, j'arrive pas à me connecter au chat, excuse-moi, je n'ai pas vu ce que tu m'as dit. Alors attendez, excusez-moi les amis, je réponds juste à quelqu'un sur Steam. Qui n'arrive pas à se connecter, donc voilà, c'est bon. Alors, vive le pyro barbare, Eddie. Moi, je l'attends, Bob Lennon. Parce que moi, mon gars, j'ai le même âge que lui. Moi, j'ai des muscles. Parce que je pousse de la fonte. Alors, je déconne. J'adore Bob Lennon, j'adore ce qu'il fait. Et des fois, je m'inspire un petit peu de lui parce que j'aime son énergie. Malgré sa finesse corporelle. Il a du... Voilà, tu vois, salut Ico, et tu vois, tu as réussi à te connecter, je suis content. Malgré sa finesse corporelle, il a de la voix, et il envoie du lourd ce mec, et j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Donc si tu m'entends, Bob Lennon, mais je ne pense pas, et ben c'est pas grave, mais j'aime ce que tu fais. Voilà. Bon allez, c'est parti, on va défendre un petit peu tout ce bordel. Faut qu'on fasse gaffe, parce qu'on en a deux, et ils peuvent partir que... Bah, ils vont partir de deux endroits, hein, ça c'est sûr. Donc... Je pense que déjà on va essayer de protéger à ce niveau-là. Ah, j'ai pas pris les nains, les amis. Faut que je quitte. Faut que je quitte et que je revienne. Je n'ai pas pris les nains. Je n'ai pas pris les nains. Ah, merde. Putain, je suis obligé de fermer mon Velux. Enfin, de le fermer un peu. Attends. Ça commence à pleuvoir, les amis. Donc, je recommence, j'ai pas pris les nains, donc oui, tout à fait, il y en avait qui l'avaient remarqué.
Je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux sur cette partie parce qu'elle a l'air pas forcément évidente. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que je vais pas être marrant, je vais pas être cool. Mais voilà, elle a pas l'air évidente. Donc les nains, comment ça se place? C'est ce que j'aimerais savoir. D'accord, c'est juste des gardes qu'on vient claquer ici, ça marche. Donc pour moi, pour l'instant, faut qu'on mette des pièges. C'est des pièges qui sont pas très chers, 300, c'est largement gérable. Regardez, avec un petit truc ici, c'est parfait. Faut que je réfléchisse, hein. Tac. Tac, ça je pourrais pas le placer, j'aurais jamais assez. Et on va se mettre un petit nain où il y a moins de défense. Bah du coup, il y a moins de défense, c'est ici. On va se mettre un petit nain juste là. Allez! T'es fort mon nain ou t'es pas fort? C'est parti, on lâche l'ordre les amis, et c'est moi qui vais tout donner. Nom d'un nain! Ok. Donc là c'est déjà parti, passe par là ces enculés. C'est au plus court hein, bien sûr. Concentration sur cette partie les amis, donc si vous m'entendez un peu moins, excusez-moi. Je vais essayer de me concentrer un peu mieux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette chose? Oui! J'aurais jamais dû faire ça, mais c'est pas grave. Je sais qu'on peut tirer... Oulala là là! Oh, génial la musique. Je vous assure les amis que là je prends un réel plaisir. S'il n'y a pas de rediff sur ce live, si ça bug, je crois que je fais un procès à Dailymotion. Je le dis de suite, même si je suis sur un live qui vient de leur part. Si j'ai pas de putain de rediff sur YouTube, si je ne peux pas télécharger ma propre vidéo, je leur fais un procès, je leur colle un putain de procès au Falzar. En crachant sur mon putain de micro. Allez, c'est parti, on va foutre des nains, parce que vous me dites qu'ils sont puissants. Comme j'aime les choses puissantes, je vais mettre des nains. Donne tout ce que t'as, mon petit nain! Ah bah, ils m'ont pété toutes les... Putain, ils sont cons, hein. Oh! C'était un petit peu chaud là les amis. Plus beaucoup de défense ici. Wow! Merde, j'ai perdu un nain les amis. C'est chaud patate hein. C'est un petit peu tout chaud bouillant ce truc. Ok, ça marche. Normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je l'ai bien lancé. Je quitterai pas le live avant d'arrêter l'enregistrement, comme on m'a bien dit de faire. L'autre fois, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de raison. Faut pas que j'oublie que je peux utiliser ces choses-là. Ils peuvent beaucoup aider. Allez, passe, passe, passe. Merde, c'était plat, le nain! Je suis pas bon du tout. Elle est vraiment pas évidente cette map parce qu'on a trois accès à gérer. Ok. Pourquoi il y a deux nains? Bon, c'est pas grave. Il y aura deux nains pour la peine. Ok. Là aussi, il faut que je... Attendez, parce que là, ça ressemble plus à rien. Voilà. Un autre nain ici. Oh, il a dit vous ne passerez pas. C'est un bon celui-là. C'est un très très bon nain. Oh la vache, il s'est passé quoi là? Ah merde, c'est un nain. Putain, je croyais que c'était... Oh, tu vas te détendre, tu touches pas
Ah mais non! Un putain de crâne! Ça va être dur là les amis hein. Faut vraiment que je garde un œil tout le temps sur la map. J'essaie de vous donner du contenu là les amis. Qui sont en train de passer. Vous ne me connaissez pas. Enculé ! Enculé ! Enculé ! Tu ne passeras pas ! Merde, 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 merde. Wouhou ! Je l'ai arrêté juste pile poil quand il fallait, les amis. Elle est vraiment chaude cette map les amis, elle est vraiment très très chaude. Allez remonte le mana, remonte. Non. Sa race. Je suis désolé les amis là. Putain. Ouh. J'ai donné tout ce que je pouvais là. Petite pause pour moi. On va boire un petit coup. Je sais pas combien vous êtes. J'ai pas du tout suivi. Un petit peu de sucre. Pour faire fonctionner un petit peu les organes vitaux. Un petit peu de la manège. On est de la force.
commence plus à ne plus avoir de voix en plus. Donc on va certainement se détendre. Le problème c'est que si vous voyez, mais maintenant ils sont tous au centre. Et en fait non, ils sont raides, on dirait. Ah, ils se raisent entre eux après. Ouais, du coup c'est bien parce qu'ils sont nombreux. On va commencer un petit peu à les ralentir. Et là les amis, c'est vraiment... Ok, c'est bon. Allez. Pourquoi vous êtes combien là les amis? J'ai pas du tout regardé. Après on va partir sur du Robocraft après cette partie. Parce que là je vous avoue que je fatigue un petit peu. Ma concentration... ça use la concentration, si vous voyez bien ce que je veux dire. On recule. Et après on va partir sur Robocraft avec vous, si vous avez envie. On se retrouve sur le TS et on va un petit peu rigoler. Je vais arrêter comme ça l'enregistrement. Ça fera une première partie. Vraiment une vidéo juste sur Must Orc Must Die 2. Et puis voilà. Allez, c'est la dernière vague, les amis. Il faut qu'on donne tout ce qu'on a, là. Les nains, on y va. Je veux plus de nains. Des nains qui donnent tout ce qu'ils ont. Une armée de nains. Là, ils passeront jamais. Ils passeront jamais. Merde, il y en a deux qui sont passés, je les ai pas vus. Putain, ils font chier avec ça. Ils sont trop rapides pour les... On est 23, ok. Allez, on va partir sur Robocraft les amis. Je vous ai donné du contenu là, je vous ai donné pas mal de choses. C'était bien. Maintenant on va changer un petit peu. Je vais arrêter cette belle enregistrement. J'ai jamais mangé de la poutine. Et j'ai envie de partir en plus au Québec, hein. Je le ferai sans hésiter. Et attendez, je vais sauvegarder quand même. Retour. Et on va quitter la partie.